Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Diamond Painting. Donc vous avez vu ma précédente vidéo où on rangeait les diamants restants et aujourd'hui on se retrouve pour organiser et préparer mon DP qui arrive, qui est ce magnifique loup que j'ai fait en personnalisé chez Manu Rachel Store en 60 par 90. Il y a 60 couleurs. Je vous avais expliqué aussi dans ma précédente vidéo que j'ai mis deux boîtes ici qui font en tout 56 couleurs. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 4 petits sachets plastiques pour les couleurs qui me manquent et j'ai commandé une valisette de 60 petites boîtes pour pouvoir mettre mon DP. Mais comme j'ai très envie de le commencer maintenant, je me suis dit que j'allais faire comme ça pour le débuter et quand je recevrai ma valisette, peut-être qu'on referait une autre vidéo ensemble où on fera le transfert de ces boîtes-ci dans la valisette. Donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo. Alors comme il y a 60 couleurs, je ne vais pas tout faire avec vous. Le DP est arrivé, je vais faire du bruit et j'ai un gros sac comme ça de diamants. Et j'en ai même un deuxième, donc voilà, je me suis dit que j'allais faire cette partie-là avec vous. Et encore, si c'est trop long, on s'arrêtera là. C'est juste pour que vous puissiez voir comment on s'organise quand on prépare un diamond painting. Et puis après, je finirai ça tranquillement dans mon coin. Donc, normalement, quand vous avez un vendeur, c'est pas avec tous les vendeurs, mais vous avez ceci qui arrive, qui est une feuille de route. Donc voilà. Et sur la feuille de route, donc, vous avez l'image de votre diamond painting. Moi, vous voyez, il y a écrit custom picture, ça veut dire que je l'ai fait en personnalisé. Vous avez la taille et le type de diamant, donc ce sont des diamants carrés. Vous avez également les numéros de chaque couleur dans l'ordre, donc jusque moi je les ai jusqu'à 60, comme je vous disais, il y a 60 couleurs, et donc moi c'est comme ça que je fonctionne. Vous voyez mes petites boîtes, je les écris comme ça. Il y en a qui écrivent le numéro DMC, qui est le numéro international, qui est juste ici, ou alors il y en a qui fonctionnent avec les symboles qui vont être écrits sur la toile. Donc ça, c'est à vous de voir, vous faites comme vous le sentez. Moi je préfère écrire les numéros dans l'ordre, comme ça j'ai pas à changer d'étiquette entre chaque DP. Et après, ce que je vais faire, je pense, c'est que j'écrirai le symbole au crayon de papier sur mes petits publiés, comme ça après j'aurai juste à effacer. Donc quand vous recevez votre DP, donc vous avez ça et vous avez aussi à côté ce petit onglet ici qui indique le nombre de diamants dont vous avez besoin et le nombre de sachets dont vous avez besoin pour réaliser correctement votre DP. Donc les sachets, ce sont ces petites choses-ci. Donc ça, il faut toujours que vous pensiez à bien vérifier parce que des fois il peut en manquer et dans ce cas-là, il faut le signaler au vendeur pour qu'il puisse vous en renvoyer. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais piocher les couleurs. Je vais vérifier mon nombre de sachets et si mon nombre de sachets est bon, je verserai dans les piluliers. Donc c'est parti, écoutez, on y va. Alors, première couleur, oh, elle est trop belle. C'est un lilas, c'est la 37-47. Alors, je vérifie donc sur ma feuille de route. 37-47, je dois avoir 7 sachets. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est ok. Ça correspond à la couleur 49. Donc vous voyez, je prends un petit pilier, la 49, et je viens tout simplement, alors tous les sachets ne rentrent pas dedans, donc ça je les garde à côté, mais je viens remplir ma petite boîte avec le maximum de sachets. Les diamants sont sublimes, ils sont super bien taillés. Je sens que ça va être vraiment trop beau.
sachet. J'ai la place d'en mettre un troisième. Je vais juste... Voilà, dès qu'elle est ma petite feuille de route, comme ça j'ai la place. Je vais le faire ici. Et vous verrez mieux. Voilà, donc vous voyez, il reste tout petit peu de place, mais je pense que un sachet entier, ça ne rentrera pas. Donc, je laisse comme ça. Et donc, le surplus de diamants, pour l'instant, je le mets de côté. Et je le remettrai dans la grosse pochette une fois que j'aurai tout rempli, donc avec tous les diamants supplémentaires. Prochaine couleur. Ah, j'adore. C'est trop beau. Alors, 37,52. 37,52, il est là, 3 sachets, c'est ok. J'aimerais voir que j'avais encore une petite perle, c'est la couleur 50. Et voilà. Bon, après, une fois que vous avez compris comment on fait, c'est simple. Hein. Très simple, c'est juste que ça prend du temps, c'est pour ça que je ne vais pas tout faire avec vous. Sinon, vous allez vous ennuyer. Écoutez, 37,52, 3 sachets, c'est top. Comme ça, je peux tout remplir. Oh là là, puis les deux couleurs l'une à côté de l'autre. C'est super beau. Ah, j'adore. C'est pour ça que je ne pouvais pas attendre d'avoir ma valise quand je voyais ce sachet de couleurs. Alors en plus, le sachet de couleurs que je fais avec vous, c'est là où il y a vraiment tous les dégradés pastels. L'autre sachet rempli de diamants que j'ai donc. L'autre gros truc comme ça, c'est plus des nuances de gris. Donc je me suis dit que c'était plus sympa de faire avec vous celui où il y a toutes les couleurs. Pour vous montrer, vous voyez comme c'est trop beau. Toutes les nuances un petit peu pastel qu'on a. Alors. Ensuite, j'ai la 953. Alors. 963. 963, c'est la 35 et il doit y en avoir 11. Je vais avancer un petit peu et puis je vous retrouve juste après. Je prends un tout petit peu à la main juste pour vous montrer, alors déjà cette couleur est magnifique, pour vous montrer à quel point les diamants sont extrêmement bien taillés. C'est super joli, c'est super beau. Je sens que le rendu va être super top. Voilà, Manu Rachel Store. Franchement, les diamants, je verrai à la pause. Mais franchement, là, comme ça, ils sont super bien taillés. Je vous ai tourné l'angle du jeu de caméra. C'est toujours la même couleur que je viens de vous montrer. Je voulais aussi vous montrer, vous voyez. Alors, c'est la couleur 37-43 que j'ai. Donc, je suis censée avoir 29 sachets. Vous voyez, c'est énorme. Je vais les compter tout de suite. Alors, si je me trompe pas, j'en ai même compté 32. Donc, c'est cool, il y a du rab. Et je voulais vous montrer parce que là, quand
j'ai beaucoup de couleurs, vous voyez, je reste sur des petits formats de sachets, donc c'est des formats de 200 diamants à l'intérieur. Sachez que vous pouvez avoir des très gros sachets quand vous en avez énormément comme ça, qui sont des sachets de 1000 couleurs. Donc faites bien attention parce que des fois c'est pas écrit sur la feuille en format 1000 couleurs, mais en format avec les 200 sachets. Donc il faut que vous fassiez un petit calcul dans votre tête pour être sûr d'avoir le bon nombre de diamants. Donc voilà, hop. Là j'ai même du wrap, donc c'est top. Alors c'est la 48. Hein. Juste là. Et donc, comme d'habitude. Découpe le petit sachet et on le verse dans la boîte qui correspond. Et ouais, franchement les couleurs elles sont magnifiques. Les diamants ils sont impeccables. Franchement, là de visu, allez voir comme ça, ils sont impeccables, il n'y a rien à dire. Ça, comme je disais tout à l'heure, à voir à la pose si il se pose bien et qu'il n'y a pas d'écart. Tiens, on va mettre en troisième. Alors ça c'est durable. Que je compte là, j'en ai mis 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Ouais, j'en ai bien en plus de ce qui est écrit. Alors ça dépend des vendeurs. C'est pour ça que c'est important, comme je vous disais au début, de toujours compter vos sachets au début du DP. Alors, 30-72, normalement j'en ai 7. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est ok aussi. Alors, 30-72, c'est la 38. Alors moi j'ai choisi le vendeur manuel à Shell Store pour ce DP parce que c'est vraiment un DP que je voudrais afficher, que je voulais qu'il soit vraiment trop beau. Comme je vous disais au début de la vidéo, c'est mon lit que j'ai choisi de faire. Et donc ce vendeur-ci, il est réputé voilà, pour mettre beaucoup de couleurs. Pour mettre beaucoup de couleurs dans les DP, ce qui fait que les dégradés sont absolument somptueux quand on regarde. Et donc je me suis dit que c'était l'idéal pour justement faire un pelage, parce que je voulais vraiment que le pelage du loup rende bien et ne rende pas pixelisé ou que ça fasse comme des bandes de couleurs. Je voulais pas du tout que ça ressemble à ça, je voulais vraiment cette impression de pelage, et je me suis dit que plus il y a de couleurs et mieux c'était. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce vendeur-ci. Alors c'est un vendeur qui est un petit peu plus cher que les autres. Donc voilà, si vous comparez par rapport à HomeFun par exemple, il est un petit peu plus cher là pour le DP. Je l'avais pris le 11 novembre, donc au moment des promos du 11 novembre. Je l'ai payé une trentaine d'euros. Voilà, pour un 60 par 90 en personnalisé. Je trouve qu'il reste plutôt correct quand même. Alors, regardez ces couleurs quand même, elles sont sublimes. Donc, ça c'est le 3807. 3807.
matin. Il y en a un, oui, exactement. Après, c'est à vous de voir selon le budget que vous souhaitez mettre, le rendu que vous souhaitez avoir, etc. Je sais que Manu Rachel Store, elle était aussi réputée, entre guillemets, pour avoir des toiles avec beaucoup de lisière. Donc la lisière, c'est des plis de colle, tout simplement. Et donc, quand on a des rivières sur un DP, les diamants collent mal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les couper avec un cutter et les casser avec un cutter pour que vraiment la toile soit plate. Sinon, vous avez des différences de hauteur entre les diamants et le rendu n'est pas joli et les diamants tiennent mal, tout simplement. 37,53. Il y en a 3, c'est ok aussi. Donc voilà, elle était réputée pour ça. Et j'ai vu sur la chaîne YouTube de Estelle, de Je peux pas chez Diamond Painting, qui est fan de The Wonder 6, c'est d'ailleurs grâce à elle que je l'ai découvert, qui disait qu'elle avait changé ses toiles. En fait, au niveau des Diamond Painting, vous avez deux styles de toiles différentes. Vous avez des toiles avec un papier blanc dessus, où vous ne voyez pas l'image. Et vous avez des toiles avec un papier transparent. Et donc les toiles avec un papier transparent, c'est de la colle qui est bombée en spray. Donc là, vous n'avez pas de rivière. Et donc, Manu Rachel Store a proposé des nouvelles toiles comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand je lui ai demandé de faire mon loup en DP personnalisé, quand vous faites un DP personnalisé, vous lui envoyez la photo. Vous dites que voilà, vous voulez faire ce DP là. Et donc après, il faut lui préciser aussi la forme des diamants. Donc si vous voulez des diamants ronds ou des diamants carrés. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que voilà, je lui ai demandé de faire ma photo. Vous voyez le panel de couleurs comme il est trop beau. Donc moi, je lui ai envoyé ma photo et je lui ai dit que je les voulais en carré. Et je lui ai demandé si c'était possible d'avoir mon DP sous forme des nouvelles toiles, donc avec le papier transparent pour pas avoir de rivière. Et donc j'ai reçu ce type de toile, donc comme ça j'aurai pas de rivière. Voilà, donc encore une fois je vais vous laisser un petit peu, je vais avancer tranquillement et puis je vous reprendrai juste après. On se retrouve pour, vous le voyez, le dernier sachet, la dernière couleur de mon premier gros sachet. Donc là c'est le 37-40. J'en ai bien qu'un seul qui correspond à la boîte 47. Donc c'est celle-ci. Et vous voyez, il est dégradé de couleur. Je vais vous montrer après ce que je remplis toute cette boîte-ci du coup. Et le sachet, comme je m'en disais, ici ça va être la boîte plus colorée. Et ici la boîte plus dans les gris. Celle-ci est complète, donc je vais pouvoir la retourner et vous montrer le dégradé de couleur, à quel point c'est joli. Il va être très très beau cet DP. Alors, hop. Voilà. Je vais juste mettre, sans que je fasse le bruit. Ça, du coup, vous voyez, j'en ai encore plein. C'est tous les sachets que je n'ai pas pu mettre pour mes boîtes. Et voilà, donc, il est encore bien plein ce sac de râpe. Et alors, on va fermer la boîte. J'enlève les sachets qui me restent. Et voilà le dégradé de couleur. C'est beau, hein? Il va vraiment être beau. Je vais vous reprendre tout de suite. Je vais changer l'angle de la caméra. Comme ça, je vais pouvoir me mettre plus à la lumière pour que les couleurs ressortent mieux. Et voilà toutes les belles couleurs pastel qu'on va avoir dans ce DP. Franchement, elles sont super belles.
Et elles s'accordent très bien les unes avec les autres, donc vraiment pas du tout déçue. J'ai vraiment hâte de le commencer. Je viens de vous montrer ma petite boîte remplie avec toutes ces couleurs. Il me reste celle-ci à faire. Donc je suis très contente de voir ma checklist. Je sais pas si vous allez très bien voir. Elle a pas mal avancé. Ah voilà, vous voyez. Il me reste une vingtaine de couleurs, à peu près 25 à faire. Donc je vais faire ça tranquillement. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous. Bye.